D'après la Bible, Dieu a fait l'homme à son image. Au XIXe siècle, Feuerbach affirme qu'au contraire, l'homme créa Dieu à son image. Mais sans le comprendre, l'homme projette imaginairement dans un être transcendant sa propre essence. Pour Feuerbach, il est désormais temps de dépasser cette scission de l'homme d'avec lui-même, cette aliénation. Les hommes doivent se réapproprier leur essence par un humanisme faisant de l'homme un Dieu pour l'homme et portant la loi de l'amour de l'homme pour l'homme.